C'était beau! Salut tout le monde, c'est Maximo Grimm et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais vous attendiez pas? Vous étiez, oh mon dieu, Maximo Grimm, qu'est-ce qui se passe? Une nouvelle vidéo dans la même semaine et sur un autre jeu? Eh bien oui, me voici de retour. Dans le sens où je pense qu'une vidéo par semaine, bah, ça fait pas beaucoup. Donc je vais me lancer dans quelques petites vidéos exceptionnelles sur Harry Potter Coupe du Monde de Quidditch. Donc bah, c'est parti, hein, écoutez ma foi. On va commencer par Poudlard. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé déjà à faire les petits tutos d'abord pour réapprendre à jouer, parce que j'ai pas envie de vous les montrer. Vous, ce que vous voulez, c'est du match. Donc on y va tout de suite avec Serre d'Aigle. Beau travail! Maintenant ouais. Que tu as remporté les trois premiers défis, tu vas pouvoir disputer un vrai match de Quidditch. Eh bien, c'est exactement ce que je vais faire. Et on va faire contre eux. Eh bien, on est que alors, contre Pouf Souffle. Pouf Souffle, hein? Jouons pour la Coupe de Quidditch et que le meilleur gagne. Un véritable humain n'aura jamais dit ça. Bonjour tout le monde, c'est Lee Jordan en direct du stade de Poudlard où la foule est en délire. Mon meilleur ami et célèbre supporter de Quidditch, Seamus Finnegan, se joint à moi aujourd'hui pour commenter le match. Merci Ellie, je suis impatient de voir ces deux équipes s'affronter. C'est parti. Ok, c'est parti. On commence tout de suite, on prend, on passe. Voilà. Donc ce jeu est sorti en 2003. Ah mince. Et donc c'est un magnifique petit jeu qui permet de jouer au Quidditch. Et voilà, premier. C'est parti. Donc on a plein de coups spéciaux, on a plein de trucs à faire. Donc ma foi, moi ça m'intéresse plutôt fortement. Donc et là, la bonne nouvelle. Ah, interception. Réinterception. Voilà. Là on y est. Donc l'avantage, c'est que en plus de jouer les membres de Poudlard, nous allons pouvoir jouer des équipes nationales. Et puis gagner la Coupe du Monde de Quidditch. Donc moi je prends souvent les Japonais. On va d'ailleurs retester comme ça en jouant les Japonais. Je vous le montrerai. Donc pour l'instant on va essayer de gagner la Coupe de Quidditch de Poudlard. Tire. Le but est marqué. Serre d'Aigle mène de 40 points. Donc pour l'instant on n'a pas encore appris à faire comment faire des coups spéciaux, mais on va l'apprendre au fur et à mesure du jeu, ça va être super. C'est moi qui vous le dis. Donc on va les laisser un petit peu avancer pour voir ce qu'ils peuvent faire eux. Voilà. Eh ben non. Ouais. Et bim. Si c'était aussi simple que ça le Quidditch. Donc là pour l'instant on fait un espèce de match en speedrun. On va si possible essayer de faire la Coupe du Monde de Quidditch en une seule vidéo. Je sais pas si ça sera possible. Et puis on passera à la Coupe du Monde. Donc ce seront des épisodes occasionnels, hein. C'est pas un let's play, je vous montre pas un petit peu le déroulement du jeu parce qu'il y a aussi pas mal de choses à gagner. Ah! Pas mal de choses à gagner comme des cartes de Quidditch que je ne montrerai pas. Hein. Moi je suis là pour vous montrer des matchs. Alors, alors. Ça paraît un petit peu linéaire comme ça, mais quand il y aura des vrais coups, là ça sera bien. Et puis là ils sont nuls quoi. Hop. Qui le renvoie loin. Et voilà. L'humiliation de Pouf Souffle, mais bon ça va, hein, ils ont l'habitude. Voilà. Il le renvoie au loin. Totalement. C'est le cas de le dire. Donc ce jeu il est plutôt beau. Et puis c'est plutôt original contrairement à tous les autres jeux qu'on a pu voir. C'est-à-dire qu'on joue vraiment le Quidditch.
Il ne s'agit pas juste de suivre le vif d'or. On joue tout le monde. Voilà. Ah. C'est de toute beauté. Ah. Donc je vous laisse avec avec Lee Jordan qui commente mieux que moi le match de Quidditch. D'ailleurs je ne sais pas pourquoi ils lui ont mis une voix de fille. On est proche d'avoir le vif d'or là. Vous allez voir un petit peu hein, toutes les phases de gameplay. Il y a aussi des choses qu'on n'a pas encore vues, enfin que moi-même je n'ai pas encore vues, c'est-à-dire le fonctionnement des batteurs, les coups spéciaux et les combos. Ouh là là, on leur met la misère. Yes. Voilà. Donc c'est plutôt simple pour l'instant, très clairement. Voilà. Ah. C'est le moment du vif d'or. Et ce sera moi. Ok. On y est presque, on y est presque, on y est presque, on va la voir. Allez, 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 allez. On y est. J'utilise tout le boost d'un coup, hein. Moi je rien à foutre des économies. Allez, allez, allez. Voilà. Eh oui. Regardez-moi ces animations, si c'est pas beau. Yeah. Mince alors! Ah, ils sont fair play, hein. C'est pas comme ces foutus serpentards. Ouh, 310-0, ça, c'est sauvage, c'est sauvage. Voilà, sauvegardons un petit coup. Voilà, tout à fait. On est en haut du classement! Eh bien écoutez les amis, je pense qu'on va se laisser là en fait, petite vidéo sympathique, petite vidéo qui seront pour faire durer le suspense, on va se faire des petites vidéos de 10 minutes qui seront des matchs en fait. Et donc j'imagine qu'on se retrouve pour la semaine prochaine. Ciao tout le monde, salut.